Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 84 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors. J'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 84. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué le mode aventure dans la carte à explorer. Souvenez-vous également, on avait fait... nous avons même terminé cette case-là dans laquelle on avait récupéré un réceptacle de cœur avec Darunia. Donc du coup, aujourd'hui, on avait débloqué du coup trois nouvelles zones, donc trois nouvelles cases. Donc c'est à gauche, en haut ou à droite. Je vous avais dit que pour aller en haut, ça serait bien d'avoir une boussole pour savoir quel arbre brûler. Donc on va aller tout simplement à droite. En même temps, ça permettra d'avoir bientôt un nouveau personnage. D'ailleurs, c'est ce que je veux absolument. Donc c'est pour ça qu'on se dirige surtout à droite. Et en même temps, ça permettra de débloquer une grosse zone, dans laquelle on va pouvoir avoir un gros aperçu de ce qu'il contient. Et donc du coup, les amis, c'est parti, on va pouvoir faire cette case-là dans laquelle il y a un réceptacle de cœur avec Lana. C'est une vigilance extrême, bataille allaitante de niveau 2, donc en face des Gibdo, normalement on devrait être tranquille. Je pense, vu que c'est du niveau 2, c'est 10 Gibdo, à mon avis, il faudra éliminer 10 Gibdo, donc c'est pas non plus ouf hein, en termes de trucs. En revanche, j'aimerais bien prendre un truc Matéor Arcus, parce qu'en fait, dites-vous que on one-shot tous les mobs en fait, donc en fait on peut prendre n'importe truc, mais eux en revanche ils nous mettent en mort subite, donc de toute manière on peut prendre n'importe quelle arme. Donc j'aimerais bien prendre une arme si possible avec matériaux rares plus, mais même pas en fait, j'en ai pas du tout, j'ai même pas une arme avec c'est abusé. Bon bah du coup on va prendre 595, y a pas le choix. je suis dégoûté. Je pensais que j'allais avoir un truc, mais les joueurs en ligne apparaissent sur la carte sous les traits d'un Link d'une autre couleur. Aidez-les en rapportant les victoires. Ouais. Les Link réseau. Alors, on va pouvoir continuer. Du coup, champ de bataille. On peut voir que les Gibdo sont là. Donc, il y en a 4 pour le moment. Et donc, du coup, les amis, c'est parti. Alors, on doit éliminer bien 10 captains ennemis. Alors, le truc le plus facile hein, pour éviter de foncer dans le tas. Hop. On s'équipe des flèches et après on va tenter d'éliminer. Alors par contre on va devoir faire attention parce que on croirait pas comme ça, mais dans cette version les bokoblins se font très très mal. Putain, j'ai failli me manger la boule. Alors évidemment si je me mange la boule, c'est le rang A, il est perdu hein, je vous le dis. Donc si je me mange un dégât, le rang A est perdu. J'aurai un rang supérieur mais j'aurai pas le rang A quoi, c'est une évidence. Donc on va y aller tranquillement. Maintenant on va pouvoir affronter les trois autres Gibdo qui sont apparus à droite. Donc nous avons déjà plus que 6 quand même. Nous avons plus que 6. Donc voilà. 5, 4, 3. Merci. Non, normalement il nous en reste 3. 4, voilà. Et il en reste 3. Alors par contre, on va éviter ça. 2. Et voilà, on a réussi. Oh, bon, il m'a donné une arme. Pourquoi pas. Et donc, du coup, voilà. Bon, c'est fait. Ça a été rapide. Hein. Ça a été très rapide. Et donc, logiquement, on a le rang A. Et oui, on a le rang A. Bien sûr qu'on a le rang A. Heureusement. Bon, on a un réceptacle de cœur avec l'Anna supplémentaire. Donc, pourquoi pas. Et voilà. Yes. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. C'est parfait. Bon, victory. Victory. Oh, on a bien géré. On va pouvoir du coup s'arrêter là. Alors oui, quand il y aura des épisodes courts comme ça, je préfère faire une case par vidéo. Comme dans Definitive Edition. Ça m'aide beaucoup pour la miniature et ça m'aide aussi pour... C'est un guide, donc vaut mieux faire ça comme ça, en fait. Et du coup, évidemment, le rang A et le rang A supplémentaire, évidemment. Merci. Carte d'objet boussole, grimoire de l'esprit, 88 des dégâts, 4000 ennemis requis. Bon, voilà. Du coup, on va pouvoir débloquer la grande zone et une case à droite. Ouh là là. On peut voir que tout ce qui s'est débloqué, vous avez obtenu une carte d'objet boussole. Vous pouvez maintenant voir Shake dans la galerie des personnages. Ok, bon. Alors maintenant, on peut voir un petit peu du coup là où ça va nous amener. Donc dans le cas, ici, il y a une exploration requise à faire. Donc,
à mon avis, ça sera sûrement le petit truc à gauche à faire pousser. Enfin, à pousser, oui, à mon avis. Donc, bon, il faudra avoir un bracelet de force. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire une case avec un bracelet de force. Donc, je pense qu'on ira, faire cette case-là, justement. En même temps, on fera une des deux scutulas. Mais, ouais, il nous faut un bracelet de force, donc on n'a pas le choix. Sinon, on peut faire ça, et après, on peut revenir, mais, ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, donc, après, ici, il y a, du coup, une très grande zone qui se débloque. Donc, là où il s'est pas indiqué, ben, c'est des réceptacles de cœur qu'on aura avec les nouveaux personnages. Enfin, en tout cas, lui, les nouveaux personnages. On peut voir qu'il y a, du coup, des réceptacles de cœur avec... Ouh, il y a des... Ouh, des fragments de cœur, des... Quand même, pas mal de choses, hein. Darunia, Midna... Donc ça, on peut pas le savoir pour le moment. Ouais, il y a des réceptacles de cœur, des fragments de cœur. C'est des trucs avec Link. Ok, Ganondorf. Ouh, putain, avec Ganondorf. Ouah, c'est chargé ici. Hein. Oh putain, que c'est chargé. Oh, il y a une arme, un réceptacle de cœur, un fragment de cœur et les deux scutules là. Putain, je crois que c'est une des premières fois que je vois autant de trucs en haut en fait. Ok, c'est la première fois que je vois autant de trucs en haut. Bon, bah, ok, parce que oui, là vous voyez, ça s'arrête après quoi. Donc, ouais, c'est une des premières fois, je crois. Donc, bon. ouais, parce que là, du coup, ça s'arrête après. Il n'y a pas de fragment de cœur. Bon, bah, écoutez. Au moins, en tout cas, on sera quoi faire durant pas mal d'épisodes. Sachant qu'en plus, à partir de l'épisode, comme je vous ai dit, 101, on ira s'attaquer au mode légende, hein, les amis. Parce que oui, il faudrait quand même qu'on fasse le mode normal. Le mode difficile, on se le réservera quand même bien ultérieurement. Quand au moins on aura bien avancé dans le jeu. Peut-être même qu'on aura peut-être terminé la première carte aventure. Peut-être même voir attaquer la deuxième. Honnêtement, j'aurais réfléchi à ça, mais à mon avis, c'est quand on fera la deuxième. Donc voilà. Par contre, je suis en train de voir, mais vu le nombre de collectibles qu'il y a avec chaque perso, je me demande de... Parce que le truc, bon, à part avec les méchants, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de trucs, mais... En fait, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de cases pour énormément de récompenses, alors que... Ouais. C'est... What the fuck. Bon, ben, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc, du coup, ben, les amis, on va pouvoir s'arrêter là. Alors, je vous dis à la prochaine, voilà, pour, du coup, l'épisode numéro 85, dans lequel, ben, on continuera le mode aventure. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je réfléchis un petit peu, peut-être, à le... comment ça s'appelle ? À le changer peut-être avec un des let's play. Vous avez vu d'ailleurs la semaine prochaine, hein, si vous allez voir sur mon Discord au cas où. D'ailleurs, j'ai un nouveau Discord, hein, donc j'ai mis à jour le lien de la vidéo, enfin le lien du Discord dans cette vidéo. Donc allez le voir, hein, pour il est beaucoup plus pro, il est beaucoup plus propre, il est beaucoup plus, voilà, il y a que des avantages en fait. Et donc du coup, il y a le planning de sortie de vidéo. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le salon du planning de sortie de vidéo, et aussi du coup dans ce salon, je pense que vous l'avez vu, pour la semaine prochaine. Il y a, vous avez vu que l'ère du fléau a été remplacée par Pokémon Arceus, et il y a que deux épisodes de l'ère du fléau. Comme je vous ai dit, c'était totalement fait exprès, parce que au bout d'un moment, je vous avais dit que l'ère du fléau, il fallait quand même qu'on le diminue beaucoup. Là, on a bien attaqué le deuxième DLC, on a bientôt fini le deuxième DLC si on veut. Donc les amis, voilà, je préfère quand même me calmer un petit peu pour l'ère du fléau. Et il se peut que du coup, une fois que ma hype, en tout cas de Pokémon Arceus, soit passée, mette carrément ce let's play en 4 vidéos par jour. Voilà, je vous le dis. Donc ça se concurrencera, on va dire, avec Definitive Edition. Mais voilà, donc, et vous aurez l'ère du fléau. Alors je réfléchis. Vous aurez peut-être l'ère du fléau. Peut-être pas deux épisodes, mais au moins un épisode par semaine pour le moment. Donc je réfléchis, mais au moins voilà, ça permettra d'avancer. Alors je veux au moins faire ça quand on aura au moins terminé. Que ça soit le mode. Putain, ça me fait saigner. En m'enlevant le truc. Ah, oui, comme je vous ai dit, je préfère largement quand même le faire quand j'aurai fini le deuxième DLC. Donc cela comprend le scénario. Cela comprend également les missions de combat, voilà. Et après, comme ça, au moins, quand on voudra se lancer pour, par exemple, pour refaire tout en mode normal, ben, on pourra se lancer avec, on va dire, avec du neuf. Alors, je vous avoue que
En fait, une pour des modes scénario, je trouve ça pas beaucoup, surtout que de base ça va être compliqué. Ça veut dire que j'aurai des épisodes pour 2 ou 3 semaines. Mais je m'arrangerai, je verrai comment je tournerai ça, parce que il faut faire le mode normal, il faut faire le mode difficile, il faut faire le mode héroïque et le mode apocalypse. Donc pour vous dire, il y a du taf, en plus il y a les lunes de sang et tout. Donc voilà, je m'attends à voilà, à pas mal de trucs quand même, à pas mal de changements sur le planning. Et au cas où, je réfléchis à que Definitive Edition ait un épisode supplémentaire, que vous ayez en fait 4 épisodes de Definitive Edition et 4 épisodes de Hyrule Warriors. D'ailleurs, au cas où, hein, je vous le dis maintenant, dans les jours qui arrivent là, vous allez avoir une vidéo news. Voilà, je vous le dis. Donc je pense que ça sera même pendant le prochain planning avec où il n'y a que du Arceus, justement pour expliquer ça. Donc allez voir, et d'ailleurs j'explique pas que ça, mais allez voir. Mais principalement ça sera fixé, enfin ça sera constancé sur ça, parce que c'est vraiment beaucoup plus ça que j'ai à dire qu'autre chose. Donc c'est important, voilà, c'est important. Enfin j'ai eu 2 trucs importants, enfin 3 trucs à dire, plutôt 3 trucs à vous dire. Donc c'est pour ça que voilà, il est important d'aller voir la vidéo news. Normalement, je sais pas si ça sera peut-être déjà en première, normalement, enfin dans le sens, je l'aurais peut-être déjà planifié en première, donc dans les jours qui arrivent. Donc allez consulter la chaîne hein, pour voir. De toute façon, si par hasard elle est en première, vous, hein, comme je l'ai dit, allez voir de toute manière mon Discord et vous verrez du coup la vidéo apparaître. Moi j'en fais toujours une promotion, une pub, donc il n'y a aucun problème. Et puis voilà, donc au moins vous êtes un petit peu au courant. Bon, j'ai beaucoup parlé durant cette vidéo, mais je profite vu que c'était un épisode assez court, comme ça au moins ça me permet de vous parler rapidement. Et mais dites-vous que ça sera fait dans une vidéo news. Voilà, je vous le dis clairement qui arrive. Du coup, ben merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve du coup prochainement pour l'épisode numéro 85, logiquement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.